Alors on est ici au Jardin des Batignolles, c'est un lieu que j'ai choisi parce que c'est vraiment un endroit qui est au milieu des différents lieux qui ont été importants pour moi quand j'étais enfant. J'ai commencé la guitare au conservatoire du 17e, ensuite j'étais au CRR de Paris et je suis né à deux rues derrière. C'est également un endroit où quand j'étais enfant je venais jouer avec mes amis, donc c'est en plus sympa de revenir ici pour ce reportage. Moi je pense que j'ai quand même un parcours assez classique pour un musicien. Je suis né dans une famille où mon père est guitariste, ma mère violoniste, et c'est mon père qui m'a débuté quand j'étais petit, à ma demande, quand j'avais 5 ans. Et c'était vraiment une période où pour moi c'était quand même un loisir, mais un loisir qui était très valorisant. Ce qui fait que bon, je suis rentré au CRR de Paris assez rapidement, j'ai intégré les classes CHAM, et plus tard au CNSM. Et je pense que le véritable déclic est arrivé quand j'avais 14-15 ans. À l'adolescence, en fait, quand j'ai vraiment découvert la musique classique, c'était vraiment cette passion qui est née à ce moment-là, qui m'a fait prendre cette décision de devenir musicien. Quand j'étais enfant, j'avais un rapport avec la guitare qui était quand même assez simple, c'est-à-dire que je ne me posais pas trop la question de savoir si c'était véritablement une passion ou un hobby. C'était naturel, en fait, de faire de la guitare. Donc, mes parents faisaient de la musique à la maison. Donc je faisais pareil, je préparais mes petits concours, mes petits examens, mes petites auditions, j'étais vraiment heureux. Je pense que quand on commence la guitare très très jeune comme moi, on a un lien assez fusionnel qui se développe avec l'instrument, c'est-à-dire qu'on a vraiment l'instrument dans la peau. C'est-à-dire que c'est vraiment naturel de prendre l'instrument. Quand on joue, ça fait un peu partie de soi et on n'imagine pas une journée sans travailler par exemple, ça n'existe pas. Enfin, il manque quelque chose quoi. Par les concours internationaux, c'était même pas un choix, c'était une opportunité. Et j'ai l'impression que, à l'âge où j'étais, j'avais 18 ans, 17-18 ans, je voulais faire des concerts. C'était le seul moyen pour moi. Enfin, il y avait peut-être une autre façon de développer, mais j'en voyais pas d'autre plus immédiate et plus efficace. Parce que finalement, entre mes 18 et mes 20 ans, je suis passé de étudiant du conservatoire à concertiste international. Les gens disent pas en face ce qu'ils pensent quand c'est négatif, c'est évident. Bon, déjà, la première chose, c'est qu'on le sent, on sait qu'on le voit pas et qu'on ne le sent pas. Après, on en entend parler, mais bon, je pense que c'est la vie du musicien aussi, hein. On peut pas plaire à tout le monde, il y a des esthétiques, des goûts et des couleurs, c'est pas forcément explicable et je pense que. Moi, mon idée, c'était quand même toujours de rester dans ce que je voulais faire moi, dans ma façon de jouer et ma façon d'envisager la musique. Ce que je pourrais conseiller à des jeunes qui auraient 14-15 ans, donc moi, il y a un peu plus d'une dizaine d'années, qui auraient l'intention de faire des concours internationaux et qui ont l'envie, voire la vocation, de démarrer une carrière, c'est de toujours se rattacher à la musique. C'est-à-dire que même en étant le plus près techniquement, en étant vraiment affûté, ce que les gens retiennent
au final, quand on joue en concert, c'est le musicien. C'est peut-être une des dérives de ce système de concours internationaux, c'est d'avoir des gens qui vont être très forts techniquement, très doués, très jeunes, peut-être pas musiciens déjà, qui sont déjà très musiciens, mais qui ont peut-être pas complètement digéré ce qu'ils voulaient faire réellement, c'est-à-dire qui ont peut-être pas abouti complètement à leur personnalité musicale. C'est peut-être voilà un des dangers de ce système-là, qui par ailleurs, à mon avis, a quand même beaucoup beaucoup d'avantages. Ma carrière de concertiste et je pense m'être beaucoup diversifié ces derniers temps, notamment avec la musique de chambre. Il y a bien évidemment la création du Quatuor Eclis il y a 3 ans. Alors dans les masterclass que je peux donner, effectivement, il y a souvent beaucoup d'étudiants qui veulent comprendre en fait comment faire quelque chose de similaire ou trouver comment avoir une certaine vélocité ou un certain son, un angle d'attaque. Après, moi, j'aborde pas forcément la question de façon aussi claire parce que ce qui marche pour moi ne marchera pas pour tout le monde. C'est une belle initiative de créer la Paris Guitar Foundation pour pouvoir rassembler des guitaristes, même si on se connaît tous un petit peu, mais de pouvoir un petit peu donner notre image de ce qu'on fait, quelque chose un petit peu plus dans l'intimité peut-être, que juste comment dire, l'image du concertiste qui ne bouge pas et qui brille et qui vient. Alors la qualité de vie pour être concertiste, moi je dirais être bien organisé, beaucoup travailler, faire des efforts et jamais renoncer parce que c'est pas facile tous les jours. Hein, donc il faut toujours garder en tête ce qu'on a envie de faire profondément et même s'il y a des échecs, il faut toujours rester dessus, faut pas lâcher. Voilà, c'est ce que je peux dire.